Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous accueillir ce matin à Family Momentum, à tous ceux qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre et qui nous regarderont peut-être pour certains par la suite. Très heureux de vous accueillir ce matin, soyez vraiment les bienvenus. Je vous encourage vraiment à prendre un temps, à prendre un temps à part chez vous à la maison. Installez-vous, il y a un rendez-vous divin, il y a un rendez-vous divin pour toi, pour vous, pour chacun d'entre nous ce matin, à travers le temps de louange qu'on va vivre, à travers le message qu'on va entendre, à travers ce moment de célébration qu'on va vivre, il y a un rendez-vous divin pour chacun, chacune d'entre nous et je me réjouis d'avance de ce que Dieu va faire avec nous. Alors n'oubliez pas de liker la page, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous permet de pouvoir être bien référencés et de pouvoir avoir un maximum de personnes qui nous suivent et qui regarderont par la suite les replays de notre vidéo. Alors je vous laisse avec la louange, avec l'équipe Jérémy Besnard, pasteur Jérémy et toute l'équipe de louange. On va vivre un temps de louange, on se tourne vers le Seigneur, on tourne nos cœurs vers lui et on va vivre ensemble ce temps de louange. À tout à l'heure. On va le déclarer ensemble ce matin, nous sommes libérés, nous avons été rachetés. Déclare-le pour toi devant ton écran ce matin, tu es libre. On chante ensemble. Est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. On y va. On y va dans mon cœur. Tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, de l'éternité je te suivrai, libéré, acheté. On va chanter ensemble, garde-moi près de toi. Fais cette prière avec nous. On y va, on chante. Avec nous, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais, libéré, racheté. Oh,
avons été rachetés, nous avons été libérés. On va le chanter ensemble. Christ est notre espérance. Apprendre un nouveau chant avec vous ce matin. Notre espérance. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. On le reprend ensemble. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Chantons ensemble, je vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare. Et la montagne insurmontable, la nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres de l'ignorance, toujours c'est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, ma mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. De la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse. Ah!
espérance, Seigneur. Oh, déclare-le ce matin, devant ton écran. Il est ton espoir. Ton espoir se trouve en Christ. Ton espoir se trouve à la croix. Chantons Alléluia. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Et tu as changé l'histoire. Donner ta vie, tracer la voie, réécrire notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies. Ton amour parfait. Ton amour parfait a tout surpassé, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour. Ton amour parfait a tout suffi.
tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Merci beaucoup à Jérémy, à toute l'équipe de Louange pour ce temps de louange. C'est bon de louer Seigneur ensemble, même si on est chacun chez nous à la maison. Dieu entend nos prières, Dieu entend nos louanges, Dieu entend notre adoration. Et c'était bon d'être unis par son esprit tous ensemble, de pouvoir le célébrer et le louer. Merci pour ce temps de louange. Je prie que le Seigneur puisse continuer à vous toucher à travers cette célébration ce matin. Quelques annonces juste avant de laisser la place à la parole. Premièrement, vous dire qu'il y a un lien qui va apparaître dans le chat dans quelques instants et vous pourrez cliquer dessus pour remplir un formulaire si vous avez besoin de prière, que ce soit à travers le temps de louange, peut-être quelque chose qui a émergé dans votre cœur ou peut-être tout à l'heure dans le temps de prédication, suite à la prédication, d'avoir un besoin de prier. On n'aimerait pas vous laisser seul chez vous à la maison, vous remplissez le formulaire simplement et puis il y a quelqu'un de l'équipe pastorale qui vous appellera et qui prendra le temps de prier avec vous et de vous bénir. Donc on n'aimerait vraiment pas vous laisser seul, n'hésitez pas à le faire. Et puis une autre information, une super information, les inscriptions pour notre année notre deuxième année de Momentum Academy sont ouvertes maintenant, viennent de s'ouvrir et on aimerait vous encourager à considérer de prendre un temps de formation. Si vous êtes en train de vous poser des questions sur creuser la parole de Dieu, en apprendre plus sur Dieu, sur la parole, sur même les choses très pratiques du ministère, n'hésitez pas à prendre connaissance. Allez sur notre site internet, il y a un lien qui va apparaître aussi dans le chat. Vous cliquez, vous allez arriver sur le site de Momentum Academy et puis vous allez pouvoir prendre les différentes informations dont vous aurez besoin. Et puis vous inscrire si vous voulez. On serait très heureux de vous accueillir pour cette session d'automne qui commencera à l'automne 2021. Ne partez pas tout de suite après le message, ne cliquez pas, ne fermez pas votre ordinateur, n'éteignez pas votre télévision juste après le message. J'ai des annonces importantes, une annonce en particulier à la fin de ce message. Donc restez avec nous et j'aimerais laisser la place maintenant au pasteur Mathieu Perrault pour le message. Je prie que le Seigneur puisse toucher nos cœurs à travers sa parole maintenant. Soyez bénis par le message. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui et d'avoir la responsabilité d'apporter le message. On a vécu un temps de louange puissant. Je ne sais pas comment c'était pour vous derrière votre écran, mais je vous assure qu'ici, c'était vraiment un temps puissant. On a senti fort la présence de Dieu et je suis heureux de pouvoir poursuivre cette thématique qui a été un peu improvisée avec les circonstances du moment. Mais vous le savez, pour vous qui nous suivez depuis plusieurs dimanches, on parle d'un sujet qui est central pour nous, d'un sujet qui est vital pour chacun d'entre nous, la croix. On a démarré avec Pâques, avec Pasteur Mathieu qui parlait de tout est accompli, puis on a vu tout un tas de choses dimanche après dimanche. Et j'ai la joie de pouvoir poursuivre ce message sur la croix, de pouvoir poursuivre dans cette pensée sur la croix. J'aimerais le dire à quelqu'un qui est derrière cet écran, j'aimerais te le dire, la croix est véritablement puissante. Oui, c'est un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans en arrière, mais nous croyons que l'œuvre de la croix, elle est encore puissante, elle est encore agissante, qu'elle est encore présente dans chacune de nos vies pour pouvoir agir dans notre quotidien. Et je crois que plus que jamais, sûrement que vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui on entend beaucoup de bruit, beaucoup de mécontentement, beaucoup de paroles qui montent, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de bouleversements, beaucoup de bruit qui se passe autour de nous. Et dans l'agitation du moment, il est bon d'entendre la voix de Dieu, il est bon que les paroles qui sortent et qui jaillissent de la croix résonnent pour nous aujourd'hui. J'aimerais le dire à quelqu'un
Il y a une parole pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose que Jésus veut te communiquer, quelque chose que Jésus veut faire dans ta vie. Alors, prenons le temps simplement de pouvoir recevoir ce que Jésus a pour nous aujourd'hui. Et je parlais de bruit, je parlais d'agitation. Je crois que dans les circonstances que nous traversons, toutes et tous, depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'on allume la télé. Il y a tellement de bruit qui viennent jusqu'à nos oreilles. Parfois, ce sont nos pensées, cette voix de l'ennemi qui vient brouiller nos pensées, nos agitations, nos questionnements, nos soucis, nos inquiétudes, et toute cette voix qui résonne dans nos cœurs et dans nos pensées. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, parfois, il y a des silences qui sont plus évocateurs et qu'il parle plus que des mots. Et peut-être que ça aussi, ça résonne pour vous. J'aimerais m'adresser aux parents. Il y a des silences qui parlent plus que des mots. Si, si, papa, maman, si, si, vous savez de quoi je parle. Vous savez, quand les enfants sont en train de jouer et que tu n'entends plus aucun bruit, tu sais qu'il se passe quelque chose et qu'il faut que tu ailles voir. On le sait tous, on le sait tous. Il y a des silences qui parlent plus que des mots. Parfois, des silences remplis de douleur. Ces silences qu'on a parfois vécu dans nos vies, subis dans nos vies, ces silences synonymes de mépris, d'indifférence, d'ignorance face à la souffrance. On est là, on est dans des temps de souffrance, on est dans des temps où on a besoin d'aide et on fait face au silence. Et ces silences font beaucoup plus de mal parfois que certains mots. Ces silences qui sont parfois aussi synonymes de repos, de quiétude, de tranquillité, dans un monde agité, dans un monde où il y a tant de bruit, de parfois être dans le silence, dans la tranquillité, dans le repos. Il y a des silences qui parlent plus que des mots. Jésus, dans la Bible, a parfois fait silence. J'aime tellement ce texte lorsque la foule, les docteurs de la loi vont prendre une femme en flagrant délit d'adultère et qu'ils vont amener la femme au pied de Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Ils allaient, on le voit ça dans l'évangile de Jean, juste avant, les gens déclaraient, la foule déclarait « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et alors que Jésus a des mots qui sont puissants, alors que Jésus dit un mot et le serviteur est guéri, voilà que les gens veulent prendre en défaut Jésus sur ce qu'il est capable de dire. Alors ils amènent une femme en flagrant délit d'adultère, sachant très bien ce que la loi disait, mais pour savoir ce que Jésus allait dire. Et dans cette situation, Jésus a fait silence. Jésus s'est tenu là devant cette femme, il n'a rien dit, il s'est penché et il a écrit sur le sol. Et j'aime tellement cette image de parfois Jésus qui fait silence dans nos vies, avant de pouvoir délivrer une parole pleine de grâce et pleine d'espoir pour cette femme. Une seconde chance et une nouvelle vie qui s'offre à elle. Et parfois, il nous semble que Dieu fait silence dans nos vies. On est là dans certaines situations, dans certaines épreuves, certaines difficultés, avec nos brisements, avec notre solitude, avec nos questions. Et puis on questionne Dieu, on veut savoir ce que Dieu va nous dire, on veut que Dieu puisse nous diriger, on veut que Dieu puisse nous répondre, que Dieu puisse agir. Et face à nos prières, on a l'impression que le ciel est fermé, que nos prières ne dépassent pas le plafond. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé ces temps où on prie, on persévère dans la prière, on ne lâche rien, mais on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond de notre chambre ou de notre maison. Et puis on fait face au silence de Dieu, on attend les réponses de Dieu, mais Dieu ne répond pas. Et il semble parfois que Dieu fait silence dans nos vies. Alors, si c'est ton cas aussi, si c'est quelque chose que tu ressens, si c'est quelque chose que tu as déjà vécu, ce message est pour toi. Et le titre du message est simple, « Son silence n'est pas son absence ». C'est une histoire que nous retenons de la croix. Laissez-moi le déclarer pour vous aujourd'hui. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Derrière ton écran, le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que Dieu fait silence qu'il est absent de ta vie. Son silence n'est pas son absence. Et je le disais, on va continuer cette thématique de la croix et parler de la croix, parce que la croix, c'est l'histoire d'un silence. La croix, c'est l'histoire d'un moment où Dieu fait silence, où Jésus lui-même fait silence, où Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée, n'a pas dit un seul mot. Ce moment où Jésus, la parole faite chair, comme le décrit Jean au chapitre 1, la parole incarnée, la parole faite chair, n'a pas dit un seul mot. La parole a fait silence. On a parlé dans les dimanches qui ont précédé de l'incompréhension du peuple face à l'arrivée de ce roi. Ils attendaient un roi qui allait libérer le peuple des Romains, qui allait les libérer de l'oppression. Et Jésus, qui était ce roi pour nous libérer de la puissance du péché, de la puissance de l'ennemi, de la puissance de la mort et des conséquences du péché dans nos vies. Jésus est venu pour nous libérer de ça et pas des Romains. Et cette incompréhension du peuple qui attendait un roi, messie, libérateur. Et Jésus qui vient, non pas pour lever une armée et faire la guerre, mais pour donner sa vie et mourir sur une croix. Et cette incompréhension qui est là. Mais il y a eu aussi l'incompréhension
Face à l'œuvre de la croix, face à ce que Jésus a fait au moment de Pâques, face à l'œuvre de la croix, il y a cette incompréhension du peuple, de celui qui a enseigné le peuple, jour après jour, de celui qui a dit de garder ses commandements et de se souvenir de ses paroles, celui qui a dit que le Saint-Esprit allait venir après lui pour nous rappeler ce qu'il avait dit et les paroles qu'il avait prononcées. De cette incompréhension face à celui qui avait, de qui il a été dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Cette incompréhension face à celui qui a dit « Accomplir la loi et être la parole incarnée ». Cette incompréhension face à celui de qui un seul mot de sa bouche suffisait pour guérir les malades et restaurer les cœurs brisés. Cet homme-là, qui est la parole faite chair, qui est une parole puissante, qui Pierre va dire « À quel autre irons-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Mais ce moment où, avant de monter sur la croix, Jésus ne dit plus rien. Ce centenier qui vient dit un mot et Jésus ne parle plus. Ce moment où, plus que jamais, c'est le moment où le peuple a besoin que Jésus parle. C'est le moment où Jésus a besoin, que le peuple a besoin que Jésus réagisse. Et des fois dans nos vies, c'est pareil. Plus que jamais, on a l'impression que c'est le moment décisif où Jésus doit prononcer un mot, où Jésus doit dire quelque chose sur notre vie. Et on fait face au silence de Dieu. Mais son silence n'est pas son absence. Jésus a fait silence à ce moment-là. Mais parce que c'était important de le faire. Ésaïe 53, j'aimerais nous rappeler ces versets. Il est dit prophétiquement pour Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Des siècles auparavant, le prophète Ésaïe est capable de prophétiser et de déclarer prophétiquement que Jésus, dans cette situation, ne va pas ouvrir la bouche, ne va rien dire et va faire silence, que la parole incarnée ne va pas dire un seul mot. Face aux injures, face aux crachats, face au mépris, face au cœur méchant et tortueux de l'homme, face à la haine, face à la trahison de son ami, face à la solitude et de tous les disciples qui vont l'abandonner, face au combat et face à l'agonie, tout seul dans le jardin de Gethsémané, face à l'injustice, à un procès illégal, inhumain, face à toutes ces choses, face au poids de la condamnation, face à la haine, face à l'injustice, face au cœur de l'homme, face aux moqueries, face au mépris, face aux coups, face aux injures, face aux insultes, Jésus n'a pas dit un mot. Ce moment où le peuple, plus que jamais, avait besoin que Jésus parle, Jésus n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Parce que c'était le moment, parce que depuis Jean 13, lorsque Jésus entre dans cette Pâque avec les disciples, Jean 13 nous parle de ce moment où Jésus va mettre le comble à son amour pour eux. Et tout ce qui va suivre, Jésus va continuer de mettre le comble à son amour. Jésus lui-même va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus va commencer en lavant les pieds de ses disciples. Mais alors que Jésus n'a pas ouvert la bouche, Jésus mettait le comble à son amour. Cet amour qui n'aime pas juste en parole, mais en action et avec vérité. Lorsque Jésus n'a point ouvert la bouche face aux injures et face à l'injustice, c'est parce que pour toi et moi, il était en train de donner sa vie. Alors que Jésus ne va pas ouvrir la bouche face à la méchanceté, face à la haine, face aux accusations trompeuses, face aux choses que... À la haine, à la jalousie des religieux, face à toutes ces choses, Jésus va les subir sans ouvrir sa bouche, sans dire un seul mot.
par amour pour toi et moi. Non pas en parole cette fois, mais en action et avec vérité. Il n'a pas ouvert la bouche parce que le temps était venu de ne plus aimer en parole, mais en action. Jésus n'a point ouvert la bouche. Et c'est alors qu'a commencé pour Jésus le chemin de la douleur. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie. Mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos, une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos, une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi, jusqu'à la croix. C'est son sang qui purifie et qui nous donne la vie, à tracer le chemin à Jérusalem. De la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Oh, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur, jusqu'au bout, jusqu'à
La croix. Là, sur le chemin qui conduit Jésus à la croix, la parole a fait silence. Le berger est devenu agneau. Le roi des rois a porté une couronne d'épines. Celui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Le juste a subi l'injustice. Le Seigneur des seigneurs a obéi et il s'est soumis en allant jusqu'à l'obéissance de la mort. Le prince de la vie a cheminé vers la mort. Et alors que Jésus fait silence et chemine vers la croix, à la croix, là où peut-être les gens n'attendaient plus, là où il ne restait plus grand monde face à la croix. Alors que tout le monde attendait de Jésus des paroles, Jésus a fait silence. Et alors que tout le monde l'abandonne et que face à la croix, il ne reste plus que quelques personnes, là Jésus va ouvrir la bouche. Là, à la croix, Jésus va prononcer des paroles pleines de vie, pleines d'espoir, pleines de renouveau pour toi et moi. Alors que Jésus est cloué sur la croix, la croix a le dernier mot, parce qu'à la croix, Jésus a prononcé des paroles qui résonnent jusqu'à nous aujourd'hui et qui peuvent venir nous rencontrer dans les circonstances que nous traversons, dans les moments que nous vivons. En 2021, les paroles que Jésus a prononcées il y a plus de 2000 ans en arrière, il y a des siècles en arrière, résonnent jusqu'à nous aujourd'hui et sont toujours porteuses de vie. À la croix, Jésus va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Alors que Jésus est à la croix, alors que celui qui était sans péché est devenu péché pour nous, alors qu'il porte le poids de notre condamnation, alors qu'il porte le châtiment qui était pour nous est tombé sur lui, alors qu'il porte ces choses en son corps, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Combien de fois dans nos vies nous agissons sans savoir ce que nous faisons? Et ces paroles qui ont été proclamées à la croix résonnent jusqu'à nous aujourd'hui. Père, pardonne Matthieu parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parle et mettez votre prénom. Père, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-la parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et combien de fois dans nos vies nous avons besoin que cette parole ait été prononcée un jour à la croix? Combien de fois nous avons besoin de venir à Jésus, de venir à la croix et d'entendre cette parole pleine de vie, pleine d'espoir où Jésus intercède pour nous. Père, pardonne-le. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Combien de fois nous avons besoin d'entendre et de venir à la croix dans les circonstances que tu traverses aujourd'hui? Jésus à la croix, alors qu'il porte nos souffrances, qu'il porte nos blessures, qu'il porte nos cœurs brisés. Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il est rentré dans cette impasse et qu'il s'est pris ce mur à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement, à cause de son orgueil. Père, pardonne-le, pardonne-la. Il ne savait, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Combien de fois nous avons fait des mauvais choix dans notre passé et ce passé qui nous accable et qui est encore présent aujourd'hui et qui écrit un avenir et nous avons besoin de venir à la croix où un nouvel avenir est possible parce que Jésus a dit « Père, pardonne-le ». Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, Jésus a brisé le silence. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si on est capable, humainement, intellectuellement, de comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir mesurer l'intensité de ce moment. Jésus qui, de toute éternité, existait. En forme de Dieu, nous dit Philippiens 2. Celui qui était là dès le point de départ de la création, cette parole, par qui toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jésus était là, à ce moment-là, dès la création. Et à la croix, il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, le Fils de Dieu, celui qui existait en forme de Dieu, de toute éternité, abandonné du Père, pour que toi et moi, nous ne soyons jamais abandonnés. Pour que toi et moi, alors qu'on reçoit Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, pour que toi et moi, quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a été abandonné du Père pour que toi et moi, jamais, jamais, nous ne soyons. Rien ne peut nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, Paul qui le déclare, ni la hauteur, ni les puissances, c'est dans toute... car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que Jésus à la croix a pu dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Combien de fois dans nos vies nous nous sentons délaissés ? Combien de fois dans nos vies nous nous sentons isolés ? Combien de fois dans nos vies nous sommes tournés vers Dieu en lui disant « Tu m'as abandonné, mais ce n'est pas possible. » C'est possible de le ressentir, c'est possible de le croire, c'est possible de considérer que la chose puisse arriver, mais j'aimerais te le dire, spirituellement ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Pourquoi ? Parce que Jésus a été abandonné pour toi et moi. Parce que Jésus à la croix a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, le Fils de Dieu, il a été séparé du Père parce que le péché qui nous séparait, ce péché qui mettait une séparation entre Dieu et nous, il l'a pris, il est devenu cette séparation pour que toi et moi, nous puissions vivre la présence de Dieu. Au moment où il était sur la croix, alors que le voile du temple a été déchiré, ce symbole, pour nous, jusqu'à aujourd'hui, ça résonne. Jusqu'à aujourd'hui, on est là, on est dans la louange, on peut vivre la présence de Dieu. On n'est même pas ensemble, qu'on est derrière un écran, on peut vivre la présence de Dieu parce que Jésus, à la croix, a vécu cette séparation. Pour que toi et moi, il n'y ait aucune limite. Paul écrirait en 2021 aux chrétiens de Rome, de Bordeaux, de la francophonie, il dirait « Ni aucun autre écran, ni aucun confinement ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli. » Et je ne vais pas vous refaire le message que le pasteur Mathieu a fait il y a quelques semaines en arrière, mais j'aimerais vous le dire tout simplement. J'ai regardé dans le grec, et lorsque la Bible dit, lorsque l'apôtre Jean écrit « Tout », littéralement, c'est tout. Tout est accompli. Tout. Tes projets, tes rêves, tes aspirations, tout est accompli. Ton mariage, tes enfants, ton travail, tout est accompli. Tes échecs qui deviennent des victoires, tout est accompli. Tes brisements deviennent des restaurations, tout est accompli. À la croix, Jésus brise le silence et prononce pour toi et moi, tout est accompli. Alors combien de fois dans nos vies on a besoin, lorsqu'on a l'impression que Dieu fait silence, de revenir à la croix ? Pour que ces paroles résonnent, non pas seulement à ce moment-là, pour les gens qui sont là, mais pas seulement pour Matthieu, Marc, Luc, Jean qui écrivent ces paroles, mais pour toi et moi, dans notre contexte, dans notre situation, combien de fois on a besoin de venir à la croix et d'entendre Jésus, qui peut-être fait silence dans nos vies, mais qui a parlé à la croix, et de revenir à la croix, cette croix qui a le dernier mot, cette croix où Jésus va dire tout, tout est achevé, tout est accompli. Alors oui, j'aimerais le dire, lorsqu'il nous semble que Dieu fait silence dans nos vies, revenons à la croix. Souvenons-nous des paroles de Jésus et qu'à la croix, Jésus a eu le dernier mot. Thank you.
À la croix, Jésus va briser le silence et prononcer ses paroles pleines de vie. Mais alors que Jésus va prononcer ses dernières paroles, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et qu'il va mourir sur la croix, le silence va de nouveau régner dans le cœur de ses disciples, dans le cœur de ceux qui étaient face à lui. Le silence, difficile de faire plus silencieux que la mort. Essayons de nous mettre à la place du peuple à ce moment-là. Ça faisait des siècles qu'il y avait un silence prophétique où Dieu ne parlait plus à travers les prophètes. Jean-Baptiste arrive, il annonce, il présente Jésus qui va venir, le Messie qui va venir, Jésus qui parle, et puis avant de monter sur la croix, qui fait silence au moment où on a le plus besoin qu'il nous parle. Jésus fait silence. À la croix, il prononce cette parole pleine de vie qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Mais au moment où Jésus meurt, le silence reprend sa place. Alors que le peuple avait fait face à des siècles et des années et toute une histoire de silence prophétique, voilà que le Messie tant attendu, la parole incarnée, de nouveau ils font face au silence. Et souvent lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de la mort de Jésus sur la croix, on parle que le troisième jour il est ressuscité, mais entre ces deux jours il y a eu le samedi où finalement il n'y a rien d'écrit là-dessus. Si ce n'est que Jésus fait silence dans ce moment-là. Mais son silence n'est pas son absence. Peu de détails sur le samedi de Pâques, mais très certainement beaucoup de questions, beaucoup de bruit qui devait résonner dans la tête, dans les pensées, dans l'esprit des disciples à ce moment-là. Mais là, dans le silence, Jésus agissait. L'apôtre Pierre nous dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors que Jésus fait silence dans la vie des disciples, Jésus n'est pas absent. Alors que Jésus fait silence, Jésus est agissant. Jésus, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas dans nos vies qu'il n'est pas à l'action dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'agit pas. Alors que il y a le silence qui règne à ce moment-là. Jésus, plus que jamais, est vivant. Plus que jamais, il est rendu vivant quant à l'esprit. Plus que jamais, Jésus est à l'action à ce moment-là. Pour non seulement triompher de la mort quand il va ressusciter, mais c'était tellement important qu'il y ait ce jour-là. Tellement important qu'il y ait cette action-là qui soit menée dans le silence. Mais complètement invisible humainement, mais tellement importante spirituellement. En fait, souvent on parle de la Pâque, de la mort et de la résurrection, en oubliant qu'entre les deux, Jésus a fait silence, mais Jésus était à l'action. Et des fois dans nos vies, c'est la même chose. On veut vivre la résurrection, si on peut ne pas mourir, tant mieux, mais on veut vivre la puissance de la résurrection, sans passer par ce moment où Jésus, dans le silence, est à l'action. Ce moment où Jésus fait silence dans nos vies. On veut la résurrection qui fait du bruit, on veut la louange et les acclamations du ciel, et puis on veut la résurrection, surtout quand on est en train d'agoniser, on veut la résurrection et la puissance du troisième jour, sans passer par ce moment où Jésus fait silence dans nos vies. Mais l'œuvre de la croix est dans l'étroit. En fait, j'aimerais l'imager d'une manière très très simple, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Vous avez tous mangé un jour, ou si vous ne l'avez pas mangé, vous avez tous vu un jour un œuf dur. Un œuf dur, quand vous le décomposez et que vous mettez la coquille d'un côté, et puis il y a le blanc et puis il y a le jaune. Et puis, si on décompose cet œuf et puis qu'on distingue les trois parties, si je vous pose la question « Où est l'œuf ?», vous me répondrez « L'œuf est dans les trois ». Et en fait, parfois, c'est exactement la même chose, mes amis, avec l'œuvre de la croix. On veut pouvoir la décomposer, on veut pouvoir voir la mort sur les puissances démoniaques, on veut voir la mort sur nos échecs passés, on veut voir la mort sur nos erreurs, et puis on veut vivre ça. Et puis on veut vivre la résurrection d'un cœur brisé qui est restauré, d'un couple qui est rebâti, d'une vie qui reprend espoir. On veut vivre ça. Mais l'œuvre de la croix est dans ces deux choses. Mais elle est aussi dans ce moment où Jésus fait silence. En fait, j'aimerais le dire autrement. Si Jésus était mort sans la résurrection, c'est juste la mort d'un homme, comme il y en a eu des milliers et des milliers avant lui. Et puis si Jésus ressuscite, il peut ressusciter que s'il meurt, mais s'il ressuscite sans le samedi, alors c'est juste la résurrection d'un homme comme Lazare. Jésus n'est pas le premier à ressusciter.
Et puis au moment où Jésus va mourir, les portes des tombeaux, certains vont s'ouvrir et il va y avoir des résurrections. Ces gens n'ont pas changé notre vie. C'est à travers leur résurrection, je n'ai pas le pardon de mes péchés. Lazare est sorti du tombeau, ressuscité par Jésus, mais sa vie, sa résurrection n'a pas changé ma vie. Pourquoi la vie, la résurrection de Jésus change et transforme ma vie? Parce que le samedi, parce que dans le silence, Jésus a agi. J'aimerais inviter les musiciens à revenir me rejoindre. Mais en fait, il y a ce besoin dans nos vies qu'avant de vivre la puissance de la résurrection, il y a ce besoin de vivre ce moment de silence, ce moment où Jésus fait silence, mais il est dans l'action. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, tu as besoin d'entendre cette parole. Oui, Jésus semble faire silence dans ta vie, mais ce n'est pas parce que Jésus fait silence qu'il est dans l'absence. Son silence n'est pas son absence. Luc au chapitre 24, il y a d'autres chapitres qui parlent de ce moment où les personnes vont venir au tombeau de Jésus pour se recueillir, le troisième jour. Et voilà que les femmes vont venir en première et puis Jésus va leur apparaître ressuscité. Et puis après, il y a Pierre et Jean qui vont venir au tombeau et constater que le tombeau est vide. Mais lorsque les gens arrivent et que la pierre est roulée et que le tombeau est vide, c'est là et bien la preuve que même la veille, Jésus était dans le silence, mais il n'était pas dans l'absence. Jésus était dans l'action, il était en train de ressusciter, il était en train de nous libérer de la puissance des ténèbres, la puissance des esprits mauvais. Il était en train de prendre la victoire sur les dénominations de ce monde. Jésus était dans le silence, mais il n'était pas dans l'absence. Son silence n'est pas son absence. Et j'aime tellement cette parole que les anges ont déclarée. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? L'erreur de ces hommes, c'est qu'ils avaient le regard fixé sur le tombeau, au lieu de l'avoir fixé sur la croix. Le pasteur Ben nous rappelait la semaine dernière d'avoir un regard fixé sur la croix. Et en fait, des fois, nous sommes semblables à ces hommes. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous parle ce matin. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi restes-tu le regard fixé sur le tombeau alors qu'il faut l'avoir fixé sur la croix? Parce que la croix a le dernier mot. Parce que la croix te rappelle que si Jésus fait silence, Jésus n'est pas dans l'absence. Jésus a prononcé des paroles pleines de vie qui résonnent jusqu'à nous aujourd'hui. La croix a le dernier mot. Parfois, Jésus semble absent parce qu'on reste le regard fixé sur le tombeau et que son invitation est d'avoir le regard fixé sur la croix. Cette croix qui a le dernier mot. Alors avec l'équipe de louanges, aujourd'hui, on va le déclarer. On va déclarer que la croix a le dernier mot. On va déclarer que au troisième jour, Jésus est ressuscité. On va se souvenir de l'œuvre de la croix. On va venir à la croix aujourd'hui ou revenir à la croix. Dans ce moment où Jésus fait silence dans nos vies, dans ce moment où nous avons tellement besoin d'entendre une parole, ce que nous allons faire, c'est de revenir à la croix, là où Jésus a déjà parlé, là où Jésus a dit, et quelqu'un a besoin de l'entendre, Père, pardonne-le. Père, pardonne-la. Tout est accompli. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors vous êtes derrière un écran, je vais revenir dans un instant et simplement faire un appel et prier pour tous ceux et toutes celles qui en auront besoin. Mais alors qu'on est là, j'aimerais qu'on vive l'instant présent de manière intentionnelle et de manière intense. Là où tu es, derrière ton écran, je t'invite à fermer les yeux, je t'invite à t'abandonner entre les mains du Père, à lever tes mains vers le ciel et à prononcer ces paroles, à chanter, déclarer ce chant avec l'équipe de louanges. Se souvenir et revenir à la croix ce matin. On y va avec l'équipe de louanges. Jésus. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposée.
entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Son corps lié, son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Nous chantons ô gloire au nom. Ce matin, plusieurs ont besoin d'entendre ces mêmes paroles de Jésus pour leur vie. Certains sont venus avec leur fardeau, avec leur accablement, et ont simplement besoin d'entendre Jésus qui prie et qui dit « Père, pardonne-leur ». Certains qui ont juste besoin de venir à la croix et demander pardon pour leurs péchés, et qui ont juste ce besoin de donner leur cœur à Jésus. Alors j'aimerais offrir cette opportunité pour toi qui regardes ce live, pour toi qui regardes ce replay, peu importe le moment où tu vas le regarder et le lieu dans lequel tu te trouves, si tu as besoin de donner ton cœur à Jésus, si tu réalises qu'à la croix, Jésus est mort pour toi et moi, que si tu réalises qu'à la croix, Jésus a porté tes péchés comme les miens, afin que nous ne soyons plus jamais abandonnés, plus jamais séparés de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Si tu veux tout simplement offrir une nouvelle vie, une nouvelle opportunité à ta vie, de changer de vie, de changer de mentalité, de venir à la croix afin que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur et donner ton cœur, ta vie à Jésus, simplement écris-le en commentaire et je vais prier dans un instant pour toi mon ami. Je vais prier afin que là où tu te trouves, l'amour de Dieu vienne t'inonder, là où tu te trouves, la puissance de vie qui découle de la croix vienne te donner la victoire sur le péché, sur la mort, sur l'ennemi. Peut-être c'est quelqu'un qui est là et qui connaît Jésus mais qui passe à côté de la puissance de la croix. Parce qu'il ne veut que la résurrection sans ces moments où Jésus fait silence. Et où dans le silence, Jésus n'est pas absent, mais il prend la victoire pour nous. Sur les esprits mauvais, sur les puissances des ténèbres. Spirituellement, il prend la victoire pour toi et moi. Alors avec moi, j'aimerais t'inviter à déclarer ce chant, à le reprendre. Mais juste avant, je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux, toutes celles qui dans les commentaires demandent la prière. Tous ceux, toutes celles qui veulent saisir l'occasion ce matin de te donner leur cœur. Dans quelques semaines, il y aura des baptêmes. Je te prie pour ceux qui vont donner leur cœur ce matin. Pour ceux qui vont donner leur cœur à Jésus aujourd'hui. Je te prie pour que ton pardon, pour que ta grâce qui découle de la croix, inonde leur vie dans le nom de Jésus. Je te prie pour tous ceux, toutes celles qui traversent ces temps où tu fais silence, que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité spirituelle, que ton silence n'est pas ton absence. Dans le nom de Jésus, je proclame la puissance de l'œuvre de la croix sur chacune de nos vies, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus. Gloire à son
Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Chante-le avec nous. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, oh, oh. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le sauveur. Pour ce temps de message, merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps de créativité qu'on a pu vivre ensemble. C'est tellement bon. Oui, on veut dire ensemble gloire au nom de notre Seigneur. C'était tellement bon. Merci, pasteur Mathieu, pour ce message centré sur la croix. C'est tellement, tellement important, tellement central que de nous rappeler que nos foies, elles sont basées sur l'essentiel, c'est Jésus. Jésus et son œuvre à la croix. Alors, merci beaucoup, pasteur Mathieu. Merci à l'équipe de louange, pasteur Jérémy et toute l'équipe. Merci aussi, j'aimerais dire merci aussi à toute l'équipe Créa qui a fait un travail fabuleux pour cette célébration. Piou et toute l'équipe, un grand, grand, grand merci. Et je prie que le Seigneur puisse continuer à faire un travail dans vos cœurs à travers ce qu'on a entendu, à travers ce qu'on a vécu, à travers le message qui a été semé dans nos cœurs, que le Seigneur puisse continuer à faire un travail. Et si vous avez été touché d'une manière particulière, si peut-être vous avez un besoin de prière, de demander la prière qui est montée dans votre cœur, on n'aimerait pas vous laisser seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur le formulaire, de remplir le formulaire et puis quelqu'un de l'équipe pastorale vous appellera, n'aimez pas vous laisser seul. Quelqu'un priera avec vous pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous avais promis une annonce importante. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons reprendre nos célébrations à Momentum Bordeaux en présentiel à partir de ce dimanche, le dimanche 2 mai. Donc, on est très réjouis de pouvoir imaginer à nouveau se retrouver avec vous, bien sûr, avec les gestes barrières, les distanciations, tout ça. Pas de souci, on prendra bien soin de tout ça comme on l'a toujours fait. Et puis les inscriptions auront lieu à partir de vendredi 18h. Vous pourrez aller vous inscrire sur notre site internet. Donc on se réjouit de vivre ce moment avec vous à partir de ce dimanche. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, les inscriptions pour Momentum Academy sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site aussi pour aller vous informer et pour vous y inscrire. Si le Seigneur vous conduit, on se réjouit de pouvoir peut-être vous compter parmi nos étudiants à partir de la rentrée de l'automne à Momentum Academy. J'aimerais prendre le temps aussi de vous dire merci pour vos dîmes, ceux qui donnaient des dîmes et des offrandes depuis plusieurs semaines. Merci, merci, merci. Ça nous a permis, évidemment, pendant toute cette année de confinement, d'être très réactifs et de pouvoir continuer à vous offrir du contenu, vous offrir des vidéos, vous offrir toutes sortes de choses sur nos différents réseaux. Et on a tellement de bons retours de personnes qui sont touchées, impactées par tout ce qu'on peut mettre comme contenu sur nos réseaux. Donc, merci vraiment ce que vous
vous donner permet de continuer cela. Donc merci d'avoir donné, merci de persévérer aussi à nous donner encore. Vous pouvez aller faire vos dons sur notre site, vous allez sur monoffrande.fr ou sur notre site internet et puis vous pourrez être guidé pour faire vos dons à Momentum Bordeaux et on vous remercie vraiment chaleureusement pour cela. Et c'est tout pour mes annonces. Je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse fructifier ce qui a été semé dans vos vies pendant cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui viendront en présentiel ici à Bordeaux et pour les autres chez vous à la maison, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.